Salut tout le monde, salut la team. Allez, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Là, je me trouve sur l'ancien site Matra à Romorantin-Lanthenay. Donc, vous avez vu sur la dernière vidéo, j'étais parti pour livrer. Donc là, ça y est, je suis vide. Et là, je vais me diriger en direction de Blois. Je vais charger à Villebarou. Donc, on va faire la route ensemble. Allez, c'est parti. Top générique en face. Alors vous voyez, là je me trouve actuellement à l'intérieur du site, l'ancien site Matra, là où ils fabriquaient les voitures ici, là, à Romorantin-Lanthenay. Hein. Moi je suis venu livrer ici dans les années 80, là, 80, 90. C'était encore, il y avait encore du travail, hein, et ils ont fermé cette boîte il y a quelques années déjà. Donc il reste les bâtiments, et du coup les bâtiments, ils servent d'entreposage pour... pour un peu de tout, là, je viens de livrer pour les magasins Noz. Donc voilà. Après 50 mètres, tournez à droite. Ah, ça fait drôle de revenir ici une trentaine d'années, on va dire, après. Hein. Parce que je venais ici, c'était une petite ville, hein. T'avais tous les gens de Romorantin-Lanthenay travailler ici à cette usine, hein, Matra. Donc vous voyez tous ces bâtiments là, tout ça c'était des usines. Hein. Ils fabriquaient ici, hein, ils fabriquaient les voitures. Les voitures Matra. Hein. Matra Baguera, Matra Rancho, enfin toutes les Matras qui existaient à l'époque. Ça fait un peu drôle de revenir. Ici, là, sur ce site-là. Alors, tous les bâtiments qu'il y a, ça sert d'entreposage maintenant. Ils auraient pu tout démolir et puis tout refaire, mais ouais, ils ont fait ça comme ça, c'est bien. C'est qu'on sort là-dedans. Là. On sort peut-être de l'autre. Ah ouais, sorti là-bas. Ah ouais. Après, vous voyez un peu tout ça, tous les bâtiments qu'il y a là. Dirigez-vous vers la droite, puis traversez le rond-point. Ça va, j'ai rendez-vous à 10h là pour charger. Et je devrais y être pour 9h50. Elle me dit par là, mais apparemment je peux pas aller. Après, par là. 100 mètres, traversez le rond-point, deuxième sortie. Traversez le rond-point, deuxième sortie. Et ensuite de l'autre côté. Bon, voilà, on est vide.
On ne craint pas que la marchandise tombe. Tournez à gauche. Deuxième sortie. Au rond-point, tournez à gauche. Deuxième sortie. Blois. Allez, go. Blois 44 km. Ah, c'est agréable de rouler de ce temps-là parce qu'il fait pas très chaud. Enfin, il fait pas. Il fait 18 degrés. Et franchement, c'est agréable. Là, on est toujours à Romorantin, hein, bien entendu. Boulangerie, restaurant. Bonjour Sophie, comment ça va Sophie ce matin? Traverser.
Et là, ça roule par ici, hein. Ça roule. Super beau temps, hein. Franchement, c'est agréable à conduire, il fait pas trop chaud en plus, c'est nickel, nickel, nickel. Allez, on arrive à Mur-en-Sologne. Allez, ce beau petit village là. Sa belle église là, plein milieu là. Allez, vas-y, passe toi avec ton porte-bagnole. C'est joli aussi à la Sologne. Regardez un petit peu ce. C'est bien plat ici, il y a des routes bien droites. C'est la Sologne. Center Park aussi, par ici. Là,
c'est des endroits de chasse aussi. En Sologne, il y a beaucoup de chasse. C'est joli, hein. On a des belles régions, des beaux coins en France. Pas mal de nature ici, hein. Il y a beaucoup d'animaux, des oiseaux, l'air est pur, la nature est bien là. Allez, on arrive à Courcheverny. On est à Courcheverny, on est à quelques kilomètres de Blois, on est sur la départementale 765. Ici, hein, c'est les endroits où il y a beaucoup plus de châteaux, hein, château de la Loire, et c'est par ici, hein. Entre Tours, Blois, château de Chambord. Il y a des beaux petits trucs, hein, ici, hein. Avoir des palettes qu'ils ont dû baigner sur la droite, parce qu'on voit que la remorque elle est comme ça et on voit que ça pousse sur le côté droit. Donc à mon avis il va avoir des problèmes pour vider. On voit bien là sur la droite là, de la remorque, que
s'y pencher comme ça. Allez, on arrive à Blois. On va bientôt passer au-dessus de la Loire. Je suis à 8 minutes de chez mon client, ça va. Rendez-vous 10h, je vais arriver là-bas vers 9h50, 55. Tout droit, tenez la gauche. Voilà, on passe la Loire. Regardez ce beau bâtiment à gauche là, ce grand bâtiment là. La chaussée Saint-Victor. Dirigez-vous à gauche.
falloir que je repasse par là tout à l'heure. J'étais en train de réfléchir à un truc, c'est pour ça que je parlais pas. À 3 km 200. Sur la gauche, Saint-Michel, c'est là que je vais charger. Je vois les bâtiments Saint-Michel là. Bon ben voilà, ça y est, je suis chargé. Donc maintenant, direction l'Oise, direction Compiègne, à vider en foulée avant 17h. Donc là, je suis dans les dépôts, les entrepôts 4 Roux, à Villebarou. Beaucoup de dépôts là, 4 Roux par ici là, sur Blois là. C'est un transporteur, mais ils ont beaucoup de. Ils transportent et ils ont beaucoup de dépôts de stockage. C'est bien. C'est même très bien. J'ai déjà vu livrer ici. 200 mètres, tournez à gauche. Je vais hier. Leur parking qui est là sur la droite, sur la gauche, et vous allez livrer là-dedans. C'est des meubles là-dedans, des canapés, des trucs comme ça. Prudence, passage à niveau. Regarde-lui. Allez, hop, vas-y, que je te sorte de là-dedans comme un malade. Il a l'air de se couvrir hein. Depuis tout à l'heure là, c'est un peu nuageux là.
Bah ça va, je suis pas lourd. Hein. J'ai. Je suis plus. 2 tonnes. Donc c'est. Ça va bien rouler. Ça devrait aller. Là on va récupérer la route de Chartres. Châteaudun, Chartres. Et puis, puis après, bah, direction Paris. Bon, bah écoutez, hein, cette vidéo va se terminer là. Alors, n'hésitez pas, hein, likez. Partager, si t'es pas abonné, abonne-toi. Et je te donne, je te souhaite de bonnes vacances si tu pars en, si t'es en vacances. Ou si tu pars en vacances, je vous souhaite de bonnes vacances. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut, bye bye, et bonnes vacances à tous, soyez prudents sur les routes.